Quel est votre premier souvenir de la radio? Vous vous en rappelez? Ça fait déjà 70 ans. C'est quoi la question? La journée mondiale de la radio? C'est loin tout ça. C'est vrai qu'on écoutait la radio beaucoup, on était même respectueusement en attente des nouvelles. Non, c'était très sympa. Oh là là! Ça date de loin, ça. Je me rappelle qu'on allait rechercher les vieux annuaires. Et puis il y avait Jean-Pierre Allenbach et puis Jean-Charles qui faisaient les concours entre villes pour savoir quelle était la ville qui ramenait le plus d'annuaires. Je réponds à Radio Chablais, enfin, si je vois bien, oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à la radio, la musique, les infos, les deux? J'aime bien les émissions un peu culturelles, j'aime bien la musique, ouais, quand je conduis et tout, ça me divertit, ouais. Et encore aujourd'hui, vous l'écoutez? Un petit peu moins. Un petit peu moins, mais... avec télévision, tout ce machin... C'est plutôt la télévision, radio très peu. Souvent, j'écoute la télé aussi. J'écoute la télé. Je regarde pas. Des débats, on s'en fout de la tête des gens. Voilà. Mais la radio, c'est quand même, si je prends aussi les radios françaises, mais bon, la radio remonte, moi je trouve qu'elle est bien. C'est une compagnie aussi, hein. J'entends, y a des moments de la journée ou de la vie où on est plus sensible, on a presque besoin de la voix, de la présence de la voix, je trouve, mais sans l'image. La radio aujourd'hui, vous l'écoutez encore? Oui, il y a des bonnes émissions, oui, j'aime bien. Qu'est-ce que vous aimez à la radio? La musique, plutôt les informations? Alors, je déteste ces informations. Surtout les mauvaises, ils passent beaucoup que ça. Vous vous occupez des infos, c'est pour ça? Non. J'aime écouter de la musique. C'est le tout que ça va bien, c'est tout culturel. Il y a la musique, il y a les informations, il y a des choses comme ça, c'est toujours très bien. C'est une façon un peu peut-être, je sais pas, un peu plus authentique de se connecter à ce qui se passe autour de nous. On est un peu moins sur nos iPhones et sur nos ordinateurs. C'est un côté un peu rétro, mais que j'aime bien en fait. Mais enfin, ça a bien été.